Bonjour, donc on va voir dans GeoGebra comment traiter des données aberrantes. GeoGebra classique, ici dans le menu de GeoGebra, j'ai utilisé le tableur. J'ai mes données, avec un point toujours. Je sélectionne mes données que je veux transformer en nuage de points. Je peux afficher tout de suite la régression et m'apercevoir que j'ai deux données ici qui sont aberrantes. L'idée, c'est de venir immédiatement, donc avant d'aller exporter vers le graphique notre aperçu, donc c'est de venir retirer ces données. On s'aperçoit que dès qu'on efface une donnée, l'aperçu disparaît. Donc, il faut la recommencer. Donc là, ici, j'ai une courbe qui ne tient pas compte des deux données aberrantes. Donc ça, c'est une façon de faire. Après ça, on peut demander à l'élève de faire le graphique avec les données aberrantes et de retirer, d'en refaire un pour pouvoir comparer et autres. Donc, c'est une façon de travailler les données aberrantes dans GeoGebra.